Là, on assiste à la sortie de l'incontournable Mbalambuta Biscotte, la légende. Et lui, c'est bel et bien Yves Bazizamba. Et Youssouf Mouloumbou. Et c'est donc la légende vivante, le trésor Mputu Mabitor, le trésor du football congolais. Et Kimwaki qui salue quelques joueurs. Et Matoumona sur la roue. Et on va assister. On va donc assister, revoir ce trio magique. Et lui c'est Mbayo. Le trio magique entre Mputu Trésor, Matoumona sur la roue. Une belle Mbalambuta Biscotte. Et oui, Toto Roger. Et le dossard 22, c'est bel et bien Hervé Lembi. Il y a de l'ambiance. Mbalambuta Biscotte sourit ensemble avec ses coéquipiers de ce soir. Dont Bayo Kimoto qui t'encueille. Allez, coach. Gelaes Manye Manyo de Kindou. Il y a dit merci Bokani et autres, et voilà les légendes du football africain qui vont s'aligner pour cette prise des photos souvenir. Ici présent donc les supporters qui se sont déplacés, on vous rappelle que l'entrée était gratuite pour ce match des galas. Bien, c'est donc parti pour ce match des galas entre les légendes du football congolais et les légendes du football africain. La passe pour trouver Pascal qui va se diriger dans le perche de Tokala. Il trouve son coéquipier, l'ouverture du score des légendes du football africain. Grâce à cette combinaison de Pascal Feindoudou qui a démarré tout seul. Voilà Pascal. Et il va donc trouver Patrick Mbouma qui permet. On y voit avec cette talonnade de Yemweni Ngidi. Et puis la frappe ratée. Bien surveillé. La réponse de légende du football africain est Kanou. Devant le portier Tokala, il y a également Patrick Mbouma, le deuxième but. Le deuxième but des légendes du football africain. On voit encore. C'est le deuxième but des Kanou. El Sayed qui empêche. Alors, on y voit d'abord cette percussion de Loualoa Lumana. Et cette talonnade. Et puis l'enchaînement. La parade de Nader El Sayed. Kané qui va répondre. Attention avec ce ballon. Il va percer dans la surface. Oh ce but. Il a encore la touche. L'incontournable Mbalambuta Biscotte. Ah, qui c'est débarrassé du portier. Il est là. Biscotte, il supprime le premier défenseur. Ah oui, il perce. Et puis, il place tranquillement sur le ballon. Mbalambuta Biscotte avec ce ballon pour Mouloumbou Youssouf dans la surface. Le centre de Mouloumbou, merci Mbokani, le contrôle. Et puis, Mputu Trésor dans le parage de la surface des réparations des légendes du football africain. Matoumona Zolaroum, Mbokani pour Mputu Trésor. Il va marquer tranquillement. Et oui, le troisième but. Quelle belle combinaison et ces bijoux de Mputu Mabi Trésor. Nader El Sayed, on y voit encore
du Poutou Trésor pour Matoumou dans la room avec Gemersi Mbokani. Et puis le trésor du football congolais pour marquer ses très très bons buts. Et deux pour les légendes du football africain. Emmanuel Adebayor. La frappe d'Emmanuel Adebayor. C'est donc la fin de cette explication. Et développement, c'est le thème qui a réuni une centaine de personnes ce samedi 18 juin à Pullman dans le panel de la 7e édition de la Nuit du football africain. Au cours de ces échanges, les panélistes se sont appesantis sur l'éducation et le sport, facteurs d'un développement garanti dans la pratique du football. Restant dans le thème, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a évoqué la question de la paix dans la partie est de la RDC et l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de convoquer les États généraux des sports pour un développement garanti. Nous sommes un pays continent avec beaucoup d'ambition. Nous allons lancer dans les prochains jours les États généraux des sports et dans les résolutions. On va mettre l'accent sur l'invitation de tous les privés. Mais pour que l'on parle développement, je pense que cette conférence est venue à point nommé. Vous savez que notre pays aujourd'hui subit beaucoup d'agressions à l'Est et nous avons besoin d'avoir la paix d'abord au pays. Sans éducation, on ne peut pas développer le sport, encore moins instaurer la paix en Afrique, a martelé Philippe Doucet, journaliste à Canal+. Le sport a son rôle à jouer, c'est une valeur éducative essentielle et l'éducation est l'élément fondamental pour faire progresser la société. Claude Leroy, ancien sélectionneur de la RDC, fin connaisseur des vrais problèmes du football africain, pense que le continent souffre d'un problème des vrais hommes capables d'assurer le développement du football. Il faut arrêter de faire des discours basés sur le concret. Et j'ai trouvé, moi vous savez que je ne suis pas l'avocat toujours des politiques, j'ai trouvé que le ministre avait touché du doigt ce qu'il y a d'important, à savoir la formation chez les jeunes et l'organisation et la formation des éducateurs, la formation des formateurs. Tant qu'on ne fera pas ça en Afrique, on ne progressera pas. Cette première étape de la nuit du football africain a laissé place à une deuxième, le match de gala entre les légendes du football congolais et les légendes du football africain.